Jupiter est une énorme boule de gaz. Elle est plus grosse que toutes les planètes du système solaire réunies. Jupiter virevolte comme une toupie. Ses jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète. Elle tourne sur son axe en moins de 10 heures. Brillant faiblement à travers l'anneau de poussière qui entoure Jupiter, le Soleil n'est qu'un phare lointain, distant de 780 millions de kilomètres. Jupiter est si éloigné du Soleil qu'il lui faut près de 12 ans pour parcourir son orbite autour de l'étoile. Comparé à Jupiter, la Terre est une naine. Il faut 11 Terres pour égaler le diamètre de Jupiter. Et plus de 1300 pour remplir son volume. Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comètes. Cette comète, venant du fin fond du système solaire, frôle Jupiter d'un peu trop près. Elle est capturée par la gravité de la planète géante. Soumise à des forces des centaines de fois plus grandes que l'attraction qu'exerce la Lune sur les marées terrestres, la comète se brise en morceaux. Nous sommes en juillet 1994. Plus de 20 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 plongent vers Jupiter. Deux sondes spatiales jumelles quittent notre petite planète bleue en direction du lointain système solaire. Première cible de ces missions Voyager, Jupiter. Deux ans plus tard, Jupiter se révèle alors dans toute sa splendeur. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas vraiment de surface, rien de solide en tout cas, juste du gaz tourbillonnant en de gigantesques bandes climatiques. Ces courants de gaz soufflent dans des directions opposées. Des tempêtes et des tourbillons font le tour de la planète. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, trois fois plus grande que la Terre, un anticyclone qui fait rage depuis des siècles. En haut de l'écran, la Grande Tache Rouge vue de Voyager 1. En bas, la même vue de Voyager 2. Dix ans plus tard, depuis l'orbite de la Terre, la navette spatiale lance Galileo. En passant par Vénus et deux fois au large de la Terre, il faut 6 longues années à la sonde pour atteindre Jupiter. Galileo y parvient. En 1995, une sonde est larguée pour une descente aux enfers. Le plongeon est ralenti par un parachute. Chaque seconde compte pour les recherches. Les nuages s'épaississent. Les vents soufflent à plus de 500 km/h, entraînés par la chaleur de Jupiter. Les températures grimpent. Jupiter dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Son noyau chauffe à plus de 30 000 degrés Celsius. Au bout de 40 minutes de plongée, l'atmosphère est 10 fois plus dense que celle de la Terre. Au bout d'une heure, la sonde Galileo est anéantie, écrasée par la pression. Jupiter est composé de 90% d'hydrogène et de presque 10% d'hélium. Une sorte de brouillard englobe son atmosphère. En dessous, des cristaux d'ammoniac, de l'hydrosulfite d'ammonium, de la glace et des gouttelettes d'eau et d'ammoniac. Au cœur de Jupiter, de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et enfin un noyau dur. C'est cet hydrogène métallique liquide qui produit le champ magnétique de Jupiter. À l'intérieur de cette zone en forme de chambre à air, des particules électrisées bourdonnent comme un essaim d'abeilles. Mais la magnétosphère de Jupiter s'étend bien plus loin.
Elle est, après le Soleil, la plus grosse entité du système solaire. Quand le vent solaire s'engouffre en direction de la planète, des aurores se déploient au-dessus des pôles. Ces halos sont chargés de particules qui interagissent avec la couche supérieure de l'atmosphère. Après avoir lancé sa sonde dans l'atmosphère de Jupiter, Galileo s'intéresse maintenant à ses satellites. Le premier d'entre eux, Io, est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un satellite proche. Il en résulte des éruptions volcaniques, photographiées pour la première fois par la sonde Voyager. Tous les corps du système solaire, Io est celui dont l'activité volcanique est la plus intense. Il est secoué en permanence par des éruptions. La lave recouvre sans cesse sa surface. Des panaches de gaz alimentent son atmosphère en soufre. Contrairement à Io, ce satellite, Ganymède, est très calme. À moins 150 degrés, la croûte de glace s'étend sur 100 km d'épaisseur. Ganymède est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est même plus gros que la planète Mercure. Autour de Ganymède, Galileo détecte un faible champ magnétique qui laisse deviner la structure interne de ce satellite. Sous la croûte s'étend un manteau de neige fondue, puis une couche de roche et de glace entourant un noyau de silice. Callisto pourrait être le jumeau de Ganymède s'il n'était criblé de cratères. Ceci témoigne d'innombrables bombardements. Le plus grand site d'impact est un vaste bassin en forme d'anneau. En voici un autre, photographié par Galileo. S'il devait y avoir une vie extraterrestre dans le système solaire, ce serait ici, sur Europa, lisse et craquelée comme une coquille d'œuf. Une théorie prétend que toute la surface de ce satellite est un océan recouvert de glace. Un refuge possible pour la vie. Sous la glace, les eaux pourraient être tièdes, chauffées par l'attraction gravitationnelle de Ganymède et de Io. Mais la glace peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur. Pénétrer cet océan et y rechercher la présence d'organismes vivants suppose que l'on puisse s'y poser. Néanmoins, les sillons et les fissures qui parcourent la surface d'Europa sont signes d'espoir. Ils nous rappellent que la Terre possède aussi ces océans de glace et que la vie grouille sous notre banquise. Cassini atteindra cette lointaine géante en 2004.
cette mission coûte $1 milliard. Alors, pourquoi une telle entreprise si longue et si onéreuse? Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près 10 fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10h15. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est gazeuse, composée de 94% d'hydrogène et de presque 6% d'hélium. Elle présente également des bandes climatiques qui sont difficiles à voir à cause du brouillard qui entoure la planète. Elles peuvent être détectées en changeant le filtre de la caméra. On y découvre des orages et des cyclones. Les vents sont plus puissants que ceux de Jupiter. Cette tornade, par exemple, souffle à plus de 1500 km à l'heure. L'atmosphère de Saturne se divise en 5 couches. La plus élevée d'entre elles est composée de brouillard. En dessous, des cristaux de glace ammoniaquée, puis de l'hydrosulfide d'ammonium, ensuite de la glace d'eau et enfin des gouttes d'eau. Plus profondément encore, on trouve de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et un noyau rocheux. Comme sur Jupiter, c'est l'hydrogène métallique qui produit le champ magnétique de Saturne. Ce dernier dévie le vent solaire, à l'exception des pôles où les particules électrisées s'engouffrent comme dans une cheminée. Elles sont à l'origine des aurores polaires. Regardez bien le pôle Nord. Les anneaux de Saturne ressemblent à un voile de tulle. Vu de près, il y a des milliards de petits satellites, allant du simple grain de poussière à des rochers glacés de la taille d'un camion. Plaçons-nous sur une échelle plus terrestre. Les anneaux s'étendent sur une distance égale à celle qui sépare notre planète de la Lune. Ils ne font pas plus d'un kilomètre d'épaisseur. De la Terre, notre vision des anneaux change en fonction de l'orbite solaire de Saturne. Quand son axe de rotation fait un angle de 26 degrés, vu de profil, les anneaux semblent disparaître. Tout ce que nous savons des anneaux provient des sondes Voyager qui les ont survolés au début des années 80. Elles nous ont montré 7 bandes principales, chacune composée de centaines d'anneaux plus petits. Et elles ont enregistré de mystérieux rayons, probablement de la poussière, s'élevant au-dessus des anneaux sous l'effet des forces électrostatiques. En prenant pour point de repère une étoile à l'arrière-plan, Voyager répertorie les anneaux ainsi que leur division. La plus grande est la division de Cassini, avec plus de 4000 km de large. Certains anneaux sont maintenus en orbite par de petits satellites bergers qui leur servent de gardiens. Ici, un couple de bergers maintient l'anneau extérieur. Ce satellite, nommé Pan, gravite à l'intérieur même de la division d'Encke. Mais les anneaux restent une énigme. Il pourrait s'agir de débris d'astéroïdes pulvérisés, trop
proche de la planète pour se regrouper et former eux-mêmes des satellites. Dans quelques millions d'années, les anneaux de Saturne pourraient se disperser. Voyager nous montre en accéléré les mouvements de Saturne et de ses satellites. On lui en connaît à ce jour 18. Le minuscule Mimas est le plus bizarre d'entre eux. De la glace et de la roche, et surtout un gigantesque cratère. Si le projectile qu'il a creusé avait été plus grand, Mimas serait devenu un anneau supplémentaire de Saturne. Voici Encelade, presque deux fois la taille de Mimas, avec 500 km de large. Des plaines de glace, probablement formées par des remontées d'eau liquide à sa surface. Des fontaines de glace peuvent encore jaillir, car Encelade est comprimée par la force d'attraction de ses voisins. Destination suivante de Voyager, Tétis, plus de 1000 km de diamètre et un grand canyon que l'on aperçoit juste en dessous. Dionée lui ressemble, mais l'un de ses hémisphères est plus brillant que l'autre, une surface glacée, grêlée de cratères et de crevasses. Gros plan sur Rhea, un gros satellite de 1500 km de large. Jappé a lui un hémisphère noir comme le charbon, l'autre blanc comme la neige. Le minuscule Hyperion a une forme très tourmentée. Et ce petit rocher échange périodiquement son orbite avec un satellite jumeau. Le plus grand satellite de Saturne, plus grand même que la planète Mercure, fut découvert au télescope en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Nommé Titan, il ressemble un peu à notre Terre primitive mise au congélateur. Titan reste voilé dans la brume, mais Voyager réussit à détecter la présence de molécules organiques, des composés à base de carbone, tout comme ceux qui ont été à l'origine de la vie sur Terre. On ne peut qu'en deviner sa surface, car Voyager ne peut rien voir à travers cet épais brouillard. Voici Cassini. À son arrivée sur Titan en 2004, Cassini déploiera un module d'atterrissage, justement nommé Huygens. La descente durera environ 2h30. En azote, comme sur la Terre. Les données seront envoyées au vaisseau mère qui les retransmettra à la Terre. Une fois l'atterrissage réussi, Huygens n'aura plus que 30 minutes à vivre. La température est de moins 190 degrés et il n'y a pas de soleil pour alimenter en énergie ces panneaux solaires. La neige qui tombe est composée de méthane et d'éthane. Huygens a été préparé pour effectuer également des amérissages, car il y a peut-être des océans d'hydrocarbures sur Titan. Là encore, Huygens n'aura qu'une demi-heure pour envoyer des signaux à la Terre et répondre à la question cruciale. Titan est-il un laboratoire du vivant? C'est une raison suffisante pour investir $1 milliard et rendre visite au Seigneur des Anneaux. Septième planète à partir du Soleil, Uranus gravite dans les zones crépusculaires du système solaire, avec un axe de rotation étrangement incliné. Uranus est une géante gazeuse, avec des anneaux et des satellites. Celui-ci, Miranda, c'est le diamant brut du système solaire, un bloc de roche glacée couvert de falaises plus hautes que l'Everest.
Il fait froid ici. Uranus est 19 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. Une étoile qui passe au loin derrière Uranus se met à clignoter. Ce clignotement révèle la présence d'anneaux autour de la planète. Les astronomes en dénombrent 9. On saura par la suite qu'il y en a exactement 11. Ils font ressortir la sévère inclinaison de la planète, qui est de 98 degrés. D'une certaine façon, Uranus roule sur son orbite. Avec un diamètre de plus de 51 000 km, elle est bien plus grosse que la Terre. Mais ce n'est rien à côté de Jupiter, car si Uranus est une géante, Jupiter, elle, est une supergéante. Premier gros plan de la mission Voyager. Apparemment, c'est une sphère sans signe particulier. Grâce à l'infrarouge, l'œil du télescope spatial Hubble scrute plus en profondeur. Il révèle 3 couches brumeuses de l'atmosphère. Il se peut qu'en dessous, il y ait des phénomènes météorologiques, mais ils restent cachés. La flèche mobile montre l'inclinaison étrange du champ magnétique d'Uranus. Par rapport à son axe de rotation, son axe magnétique est décalé de 60 degrés. Sur Terre, le décalage n'est que de 11 degrés. L'atmosphère est principalement composée d'hydrogène, avec de l'hélium et une petite trace de méthane. La bande supérieure est une étroite couche de brume, riche en hydrocarbures. En dessous, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, et une zone de transition de gaz et de liquide. Plus bas encore, de l'hydrogène liquide et un manteau de glace. Enfin, un noyau rocheux. Uranus possède 17 satellites répertoriés. L'un d'entre eux, Miranda, a été sévèrement secoué dans sa jeunesse. Certains de ses débris ont formé les anneaux d'Uranus. Le reste s'est rassemblé pour former un second Miranda, nouveau modèle. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais qui a le mérite d'expliquer l'existence de ces anneaux. Il se peut aussi qu'Uranus ait subi un énorme choc causé par un corps de la taille de la Terre. Cela pourrait expliquer la présence des anneaux de glace et la forte inclinaison de son axe. De toute façon, les contours chaotiques de Miranda donnent l'impression d'un satellite recomposé. Miranda, avec ses 500 km de diamètre, est une débauche de formes géologiques. Le plus spectaculaire, ces falaises de glace de plus de 15 km de haut. Si vous tombiez du haut de l'une d'entre elles, à cause de sa faible gravité, il vous faudrait plus de 14 minutes et demie avant de toucher le sol. Ce satellite, au contraire, semble bien monotone. C'est Ariel, deux fois plus grand que Miranda, avec son réseau de canyons, ses failles et son givre. Imbriel est plus gros. Il présente une surface qui a peu changé, criblée de cratères. Titania a un canyon qui pourrait facilement rivaliser avec la Rift Valley d'Afrique. Il fait 1600 km de large et c'est le plus grand de tous les satellites. Et voici Oberon, le plus éloigné de tous. Sur Uranus, le jour dure presque 18 heures, et la planète met 84 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. Nous voilà maintenant sur Neptune, la dernière des géantes gazeuses, la dernière des plus grandes planètes. Elle est si loin de nous que lorsque la sonde Voyager l'étudie en 1989, les données radio mettent plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Il faut 165 ans à Neptune pour parcourir son orbite. Elle est à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. «
Neptune fut découverte en 1846. Les astronomes de l'époque avaient constaté un écart entre la position réelle d'Uranus et celle qu'ils avaient calculée. La plupart du temps, Uranus était en avance ou en retard par rapport à leurs prévisions. Quelque chose devait donc perturber son orbite. Ce quelque chose était une planète inconnue. Sous son influence, Uranus tantôt accélérait, tantôt freinait. C'est en prenant en compte ces perturbations que les astronomes ont découvert Neptune. Neptune, sur la gauche, est plus dense mais légèrement plus petite qu'Uranus. Elle fait plus de 4 fois la Terre avec un diamètre de 50 000 km. Alors que Jupiter équivaut à 12 Terres ou à 3 Neptunes. Après la surface brouillée d'Uranus, Voyager distingue toutes sortes de phénomènes météorologiques sur Neptune. Là, un nuage file comme un éclair à travers les couches supérieures de l'atmosphère. Neptune est la planète la plus ventée. À l'équateur, des rafales soufflent à plus de 2000 km/h. Les nuages d'altitude sont froids, à moins de 100 degrés. Mais le climat est réglé par la chaleur interne de Neptune, une chaleur qui manque à Uranus. Voyager détecte une tempête de la taille de la Terre, la grande tache sombre. Après un certain nombre de jours, elle change de forme. Bien que cette tempête passe en trombe autour de la planète, cette vue en accéléré prise par Voyager la maintient au centre de l'image. Au sud-est, un autre orage, l'œil du sorcier, plus gros que n'importe quel typhon terrien. Sept ans plus tard, sous l'œil du télescope Hubble, la grande tache sombre semble avoir disparu. Neptune effectue un tour complet sur elle-même toutes les 16 heures. L'atmosphère est composée de 85% d'hydrogène, de 12% d'hélium, le reste étant principalement du méthane. Il y a quatre couches distinctes. La plus éloignée est une brume atmosphérique avec beaucoup d'hydrocarbures. Plus bas, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfureux et une zone de transition composée de gaz et de liquide. Vers le centre, de l'hydrogène liquide, un manteau de glace et un noyau rocheux. Neptune possède deux anneaux principaux. Les parties de l'anneau extérieur se sont épaissies là où la matière s'est rassemblée. Gros plan imaginaire sur des particules de poussière glacée. On compte pour le moment 8 satellites autour de Neptune. 6 d'entre eux ont été découverts par Voyager. Tous sont minuscules, sauf un. C'est Triton. D'un diamètre de 2700 km, Triton a la surface la plus froide, elle est à moins de 138 degrés. Cela ne l'empêche pas de rejeter de l'azote noirci. Ces geysers peuvent monter à plus de 8 km de haut et leurs panaches sont éparpillés par le vent dans la fine atmosphère. Triton a peut-être été un gros astéroïde capturé. Tout comme Pluton, la dernière planète à l'extrême limite du système solaire. Nous sommes à l'observatoire de Lowell à Flagstaff en Arizona. En 1930, on y repère pour la première fois la planète la plus éloignée de notre système solaire, Pluton. C'est l'astronome Clyde Tombaugh qui fait cette découverte. Il a 24 ans. Tombaugh réussit cet exploit en photographiant systématiquement de grandes régions du ciel sur des plaques en verre. Pendant plusieurs nuits, il prend en photo deux fois de suite chaque partie du ciel. Puis, en plissant légèrement les yeux, il compare les deux clichés. S'ils sont identiques et qu'aucun astre n'a bougé, il ne s'y intéresse pas.
car seuls les objets à l'intérieur même du système solaire se déplacent devant le fond d'étoiles en arrière-plan. C'est ainsi qu'après 6 mois d'observation, ils voient un point qui a bougé, c'est Pluton. Pluton et son satellite Charon ont à eux deux une masse inférieure à 1/5 de celle de notre Lune. Ce sont deux petits mondes de méthane et d'eau gelés dans l'obscurité des confins du système solaire. Pluton et son satellite sont en moyenne 40 fois plus éloignés du Soleil que notre Terre. Plus loin encore se trouve le nuage d'Oort, une sphère composée de débris de glace qui enveloppe le système solaire. Mais en revenant en arrière, il existe un autre réservoir rempli lui aussi de débris de glace, la ceinture de Kuiper. Pluton, avec son orbite très excentrique, pourrait bien provenir de cette ceinture et ne pas être une planète à part entière. Pluton est un mélange de roches et de glace, tout comme les comètes qui nous arrivent de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort. Voici la comète Yakutake, observée en 1996. Son noyau est une sorte de boule de neige sale de 3 km de large, mais sa queue s'étend sur des millions de kilomètres. Quand une comète s'approche du Soleil, elle développe une double queue. La partie jaune est formée de poussière et la partie bleue de gaz. La queue gazeuse peut se détacher sous l'action du vent solaire qui souffle en rafale. C'est le vent auquel il faut rajouter la pression du rayonnement solaire qui repousse les queues de comètes à l'opposé du Soleil. Cachons le disque solaire et regardons en accéléré une comète contourner le Soleil. Celle-ci se perd dans le Soleil. Les comètes sont les vagabondes du système solaire. Certaines se déplacent, décrivant d'hasardeuses orbites elliptiques, passant à toute allure devant les planètes. Telles des kamikazes, elles plongent vers le Soleil et meurent. D'autres ne font que l'effleurer. Jupiter représente un véritable danger pour les comètes. Celle-ci est détournée de son orbite solaire, puis capturée par l'attraction de la planète géante. La comète, fragile mélange de glace et de poussière, s'approche d'elle à moins de 50 000 km. Elle en peine. Jupiter l'a brisée en plus de 20 fragments, mais ce n'est qu'un début. La comète, nommée Schumacher-Levy 9, va devenir le plus grand spectacle céleste du siècle. En plongeant vers Jupiter, elle bombarde de toutes parts l'épaisse atmosphère de la planète gazeuse. C'était en juillet 1994. Chaque fragment a créé des ondes de choc aussi grosses que la Terre. Voici l'instant de l'impact. À gauche, un panache s'élève à plus de 10 km de hauteur. La plus célèbre des comètes est celle de Halley. Depuis des siècles, elle rend visite à nos cieux tous les 76 ans environ. Quand il l'aperçoit en 1301, le peintre italien Giotto en fait son étoile de Bethléem. En 1066, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands. La comète est présente, témoin de l'histoire. Après le dernier passage de la comète de Halley, mais le premier depuis l'ère spatiale, c'est nous qui sommes allés lui rendre visite grâce à une sonde appelée Giotto, envoyée par les Européens. Au milieu d'une armada internationale, c'est la mission la plus ambitieuse. Car Giotto doit traverser la coma, c'est-à-dire le nuage qui entoure le noyau. Nous sommes en 1986. Voici les images. Un noyau qui a la forme d'une cacahuète de 16 km sur 9. Vaporisé par la chaleur du soleil,
les gaz et les poussières s'échappent de la surface. La lumière éblouissante rend la vision difficile, mais la surface du noyau de Halley que l'on devine est couverte de carbone noir. La coma, nourrie par des jets de gaz, développe une chevelure d'un million de kilomètres, bien plus grande que le Soleil. Ces rochers glacés font partie de la ceinture de Kuiper, un disque de débris rocheux qui se situe au-delà des planètes. C'est de là que vient la comète de Halley, probablement bousculée par un changement dans l'interaction gravitationnelle du Soleil et des étoiles voisines. Halley a eu de la chance. L'attraction solaire l'a fait tourner autour du Soleil au lieu de la faire chuter directement dedans. Mais Halley est maintenant prisonnière d'une orbite qui l'emmène au-delà de Neptune pour revenir vers le Soleil, puis repartir en direction de Neptune, et ainsi de suite. Halley parcourt son orbite en 76 ans. Les comètes qui ont des périodes plus longues arrivent de bien plus loin, comme celle de Hale-Bopp, la plus spectaculaire que l'on ait vue en cette fin de siècle. C'est l'année de Hale-Bopp. En gros plan, voici son noyau en rotation avec ses 40 km de large crachant du gaz et des poussières. Ils jaillissent de l'hémisphère chauffé par le Soleil, s'allumant et s'éteignant en fonction de la rotation du noyau. En s'approchant du Soleil, Hale-Bopp perd 1000 tonnes de poussière et d'eau par seconde. Mais dans le froid, aux confins du système solaire, la comète reprend sa forme initiale, sans chevelure, elle redevient inerte. Dans l'histoire, les hommes ont toujours vu les comètes avec une chevelure et ils les ont également souvent associées à la mort et à la destruction. Mais avoir peur des comètes n'est pas complètement absurde. Aujourd'hui, elles sont étudiées de très près par les scientifiques. Si Hale-Bopp avait percuté la Terre, nous serions tous morts. Mais ceci est une autre histoire. La sonde spatiale Stardust part à la rencontre de la comète Wild-2. À la manière du papier du mouche, ces instruments vont collecter des échantillons pendant que Stardust traversera sa chevelure. Mais à la différence de Giotto, qui n'a fait que nous envoyer des données, Stardust, elle, doit ramener sur Terre sa précieuse récolte. Isolée dans une capsule capable de résister au choc brûlant de la rentrée dans notre atmosphère, voici un précieux connu qui nous vient de loin, bien au-delà des planètes. Récupérés après l'atterrissage de Stardust dans les vastes étendues polaires, les échantillons de Wild-2 seront uniques. C'est la première fois que des scientifiques examineront des particules demeurées intactes depuis la naissance du système solaire. Le nuage d'Oort se situe à un tiers de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. C'est lui qui nous envoie ses messagères du passé, les comètes. Une ceinture d'astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil, à cause de la gravitation solaire, et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile. C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique.
extinction est massive. Il y a 4,5 milliards d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune. Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter, 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. En 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. En 1908, en Sibérie, ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille. Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde.
Lancée en 2003, elle survolera deux astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre. Pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire? Un dernier recours simple et efficace, tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'un million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais. Les images les plus spectaculaires jamais prises dans le cosmos. Ils font partie de la nébuleuse de l'Aigle, là où naissent des étoiles. Une étoile moribonde dans la nébuleuse L'Œil du Chat. Une autre dans la nébuleuse du Sablier. Ce sont les chefs-d'œuvre du télescope spatial Hubble. Pour pouvoir pénétrer les profondeurs de l'espace, il faut collecter suffisamment de lumière. L'œil humain y parvient grâce à sa pupille qui capte la lumière et met l'image au point sur sa rétine située à l'arrière. Mais pour regarder vers le cosmos, seul un télescope est capable de rassembler suffisamment de lumière.
Le télescope recueille la lumière grâce à un miroir. Il la réfléchit sur un miroir plus petit, puis sur un troisième et finalement sur le point focal situé sur le côté. Mais les nuages et les poussières de l'atmosphère terrestre brouillent la vision de nos télescopes, même celle des plus puissants. À plus de 4000 mètres d'altitude, à Hawaï, le télescope Keck est à mi-hauteur de l'atmosphère terrestre respirable. Mais les turbulences atmosphériques donnent des images troubles, comme si l'on regardait à travers de l'eau. Dans les îles Canaries, le télescope Herschel est perché bien au-dessus des nuages. Il en va de même pour le VLT, qui se trouve au nord des Andes chiliennes. Les initiales signifient « le très grand télescope ». Les quatre miroirs distincts qui le composent font chacun 8,20 m de diamètre et sont montés sur des supports anti-distorsion. Ils viennent compenser n'importe quelle déformation que subissent les gigantesques miroirs lorsqu'ils sont orientés vers les différentes régions du ciel. Des images parfaitement au point en provenance du VLT. Mais pour une meilleure qualité d'observation, rien ne vaut la clarté de l'espace. 1990, la navette américaine lance le télescope spatial Hubble. Le télescope est déposé dans l'espace par le bras robotisé de la navette. Les astronautes le placent doucement sur une orbite terrestre. Un œil de 2 milliards de dollars à 600 km au-dessus de notre planète. Libéré de l'atmosphère terrestre, Hubble nous offre la vue la plus précise de l'univers. Il doit avoir des détails 10 fois plus fins que les télescopes terrestres et être 30 fois plus sensible à la lumière. Cette lumière est focalisée par deux miroirs. Puis, elle est analysée par 5 instruments spéciaux placés à l'arrière. Mais il y a un problème. Le centre du grand miroir n'est pas assez creux, ce qui signifie que la lumière arrive en 2 points de convergence au lieu d'un. Les images de Hubble sont floues, même si les corrections apportées par les ordinateurs aident à les rendre plus nettes. De ceci à cela. En dépit de ce problème, c'est un succès. Au centre de 2 jets galactiques, Hubble identifie un trou noir massif. La galaxie d'Andromède. De toute évidence, elle a déjà absorbé une autre galaxie. Hubble y découvre un noyau double. Dans la galaxie du tourbillon, il repère un trou noir potentiel. Et ici, les restes d'une supernova. Mais Hubble a besoin d'une réparation. Décembre 1993, une équipe de la navette se prépare pour faire le travail. Hubble est ramené dans la baie de chargement. La première tâche est de remplacer les panneaux solaires, source d'énergie du télescope. Il provoquait une vibration. Un des panneaux est démonté pour être ramené sur Terre. L'autre, refusant de se replier, est tout simplement largué dans l'espace. Hubble a été conçu pour être entretenu dans l'espace, mais là, il s'agit d'une véritable reconstruction. Les nouveaux panneaux ressemblent à des stores en rouleur. Ils sont fixés au télescope, puis déployés. Voici l'essentiel de cette réparation. À cheval sur le bras robotisé, ce réparateur cosmique ouvre les portes de la carlingue principale. Hubble fait la taille d'un bus scolaire. Les instruments sont aussi gros qu'une cabine téléphonique. Ici, il est impossible d'oublier ses outils. Un kit complet est monté au bout du bras. L'objectif est d'installer des optiques qui corrigent la déformation du miroir principal. L'instrument le moins utile de Hubble, un appareil de mesure de lumière, est enlevé et remplacé par un module correcteur. Il faut ensuite replacer une caméra qui
constitue à elle seule 50% du savoir-faire scientifique de Hubble. La moitié du temps, les astronautes travaillent à la lumière des projecteurs, car le télescope fait le tour de la Terre en 95 minutes et passe rapidement du jour à la nuit. La nouvelle caméra a ses propres optiques correctrices, plus des détecteurs améliorés. Grâce aux astronautes, la mission connaît un succès retentissant. Une erreur d'un cinquantième de l'épaisseur d'un cheveu humain est corrigée. L'acuité visuelle de Hubble est de 10 sur 10. Pour le programme de la navette américaine, c'est l'heure de gloire. Équipé de ses nouvelles lunettes, Hubble tient toutes ses promesses. Les optiques correctrices fonctionnent à merveille. De minuscules miroirs, pas plus gros qu'un ongle, compensent la déformation du miroir principal. Ils assurent une parfaite mise au point de la lumière qui arrive. Mars dans ses moindres détails. Même la lointaine Neptune montre ses structures. Mais Hubble est encore plus performant dans les profondeurs de l'espace. Ici, une mosaïque d'images en forme de L reconstitue la nébuleuse d'Orion, dévoilant des naissances stellaires. Voici des amas de jeunes étoiles chaudes. Et les restes d'une supernova. La nébuleuse du lagon vue par Hubble. Jamais les détails d'une galaxie n'ont été observés de manière aussi précise. La nébuleuse de l'œuf, en lumière ordinaire, puis en infrarouge. Une galaxie vue par deux instruments différents. Du gaz jaillissant du noyau. Regardez la puissance de Hubble, tandis qu'il sonde une petite zone du ciel, dépourvue d'étoiles ou de galaxies proches. Et pour finir, on découvre certaines des plus lointaines galaxies jamais observées, qui émettent une lumière 4 milliards de fois plus faible que la limite inférieure de la perception visuelle humaine. Hubble nous a déjà dévoilé l'univers comme on ne l'avait jamais vu. Que nous réserve-t-il ?